make your marks. Allez, Léon Marchand pour l'histoire, à la conquête d'un cinquième titre mondial. Il sort de la poulet bien placé sur le papillon, Camille. Oui, très solide sur le départ, comme d'habitude, après ce 50 mètres papillon. Il est champion du monde du 200 mètres, donc il sait, c'est une mise en place. C'est essayer de partir vite sans se trop se fatiguer. Et on voit Kanster à la ligne numéro 3 qui a décidé de partir, lui, très très vite, l'Américain. Et à la ligne d'eau numéro 8, Shane Cassas, qui était devant la marque du record du monde et qui l'a d'un seul coup perdu temps. Et maintenant, on va redistribuer les cartes. On passe sur le dos et on va voir... Léon Marchand, regardez-le, il est là devant, aux avant-postes, Léon Marchand sur le dos, qui est en train de prendre la tête. Ouais, très solide, il est en ligne, Carland Foster qui va accélérer, il sait que c'est là, ça nage fort par rapport à Léon, mais il n'arrive pas à le détacher. Léon qui reste solide, donc comme prévu avec le record du monde, c'est maintenant que Léon devrait faire l'effort. Il va falloir qu'il accélère sur cette épreuve de brasse pour essayer d'aller chercher ce record du monde. Dixièmes d'avance pour Foster sur ce temps de passage. Carson Foster qui ressort parfaitement à la brasse. Et maintenant, voilà, c'est sa discipline. Léon Marchand, la brasse, il reprend les devants. Il est en tête maintenant, Léon Marchand. Attention à Shane Casley aussi à la ligne numéro 8 qui est parti très très vite. Léon qui est en train de faire l'effort maintenant sur cette fin de course de brasse. Le record du monde, malheureusement, il ne l'aura certainement pas aujourd'hui, à part s'il finit très très fort sur cette 50 brasse. Allez Léon, ça accélère maintenant, le virage, allez, la coulée. Le dernier virage, le dernier 50 mètres, Léon Marchand pour un cinquième titre mondial. Il faut préserver ce rythme, il a une large avance, Léon Marchand. Ça y est, Léon qui s'envole vers son cinquième titre individuel sur ce 200 mètres 4 nages. Il est seul au monde, Léon. Carson Foster est en train de boire la tasse et maintenant Léon Marchand fonce vers le cinquième titre mondial. Léon Marchand pour l'histoire, Léon Marchand, champion du monde. Devant Scott et Dean. Une 54-82 pour Léon Marchand. Eh bien, il bat son record personnel. Bien sûr, record de France et troisième meilleur nageur de tous les temps derrière Ryan Lochte et Michael Phelps.